Alors, mon fils, oui. Comment vas-tu? Que nouveau cette venue? Ben, si j'ai répondu à votre appel, c'est parce que j'étais un peu loin entre mon père, mais j'ai péché. Vous avez péché? Ah bon? On va attendre qu'il y ait Père Antoine. Vous avez péché, mon fils. Ah, on pêche tous de nos jours. Voyez-vous, nous vivons dans un monde qui a évolué. Du coup, Père Antoine, le monsieur qui est là dit qu'il a péché. Oh, tout le monde a un jour fait un péché. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, mais j'ai tué un homme. Comment oh ça? Mon Dieu! Comment ça, t'as tué un homme? Je sais, c'est pas joli, mais... C'est-à-dire? En réalité, c'est pas vraiment moi qui l'ai tué, mais... Bon... si vous voulez... Bon, je fais partie d'un groupe. Je peux vraiment vous dire plus que ça, mais je fais partie d'un groupe. Et on voulait se venger contre des gens. Un autre groupe. La vengeance est péché, déjà. On leur a attendu... Qu'est-ce qu'il y a? La vengeance est un péché. Seul le pardon compte. Respect. J'ai péché deux fois. Ouais. Donc je fais partie d'un groupe. Et on a voulu se venger contre un autre groupe. Et pour ce faire, on a tendu une embuscade. Et j'avais mon supérieur qui tenait un fusil de chasse. Et ça vous emmerde? Non, non, j'étais occupé de faire quelque chose, je m'excuse. Pas de soucis. Donc mon supérieur avait un fusil de chasse et... J'ai donné les paramètres, je l'ai aidé, et puis il a tiré, et une personne s'est effondrée. Mon Dieu, vous savez au moins qui c'est la personne que vous avez abattue? Non. Putain, mais que Dieu vous bénisse. J'aurais pu l'arrêter. Vous abattez les gens comme ça? Et ils avaient fait quoi, ces gens-là? Ils avaient fait quoi, ces gens-là, bon sang? Ils ont poussé au suicide un de mes frères. Hein? Un de mes frères d'armes. Ah bon? Oh la vache, ça aussi c'est péché. Écoute, tu vois ce livre? C'est... Oui, c'est Darwin. C'est Père Fouras. Ok, prends. C'est Père Fouras à l'arrière. C'était un grand homme. Un homme qui avait le pouvoir du pardon. Nous pouvons te pardonner si tu veux. Si tu le souhaites. Si tu souhaites cette rédemption. Je le souhaite. Mais pour ça, si tu fais partie d'un groupe qui assassine les gens, tu risques de refaire encore un péché. Me comprends-tu? Je comprends, mon père. Ce sera inévitable. Si vous l'avez fait une fois, vous le referez une deuxième fois. Et une autre fois, et encore une autre fois. Surtout que vous avez tué une personne que vous ne connaissiez même pas. Êtes-vous sûr que c'était une de ces personnes? Que cette personne-là était coupable? Vous êtes sûr de rien? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai fait qu'exécuter les ordres. Oh là là. T'entends, Père Antoine? Il fait qu'exécuter les ordres. Oh. Oui. Que Dieu te pardonne, mon fils. Merci. Veux-tu être purifié, mon fils? Bien sûr, mon père. Fais ta prière devant la croix. Mets-toi ici. Mets-toi à genoux. Et dis au nom du Père... Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Que Dieu et me je bénisse. Je suis bloqué. Que Dieu me bénisse. Oh là. Je crois qu'il a eu mal, le garçon. T'es dans la merde, passe par là, trou de balle. Mais pourquoi tu t'es foutu là-dedans? T'es tout le temps en train de foutre le bordel, Père Antoine. Tu m'enquiquines, sapristi, tu m'enquiquines.
Je fais quoi, moi, maintenant? Hein? S'il se relève et qu'il me menace, je fais comment? Tu peux même pas grimper parce que t'es trop vieux. Ah, ça y est. Oh, mon cœur. Oh, j'ai mal au cœur. Je m'énerve pour rien. Oh. Tu fais quoi, Père Antoine? Dieu le purifie. Tu vas pas rentrer en lui, Père Antoine, quand même. Non. Que Dieu te punisse. Amen. Qu'est-ce que... Oh, t'inquiète pas, mon fils. Nous t'avons rien fait. Tu as été purifié. Tu as été purifié. Pourquoi vous avez enlevé mon pantalon pour m'obséder? On n'est pas des obsédés, attention à ce que tu dis. Mon fils, attention, on pourrait très vite s'énerver. On est peut-être vieux, mais on a encore de la frappe avec une putain de masse. Tu comprends, mon fils? Dieu t'a purifié, mon fils. Ok. Merci. Maintenant, tu vas nous dire de quel groupe tu fais partie, petit brigand. Vous êtes des prêtres, au moins? Mais bien sûr que oui, on est des prêtres. Pourquoi ça? Putain, mais des prêtres qui m'assomment, vous êtes pas des prêtres. On veut des informations, on n'est pas des brigands, vois-tu? Notre but est d'amener le plus possible des personnes rejoindre Dieu et rejoindre l'évolution de l'espèce humaine, l'évolution ultime, ce que tes frères qui sont dehors, vois-tu? Alors tu dois répondre à ces questions. De quel groupe fais-tu partie? Je peux pas dire. Réponds, mon fils. Pour qui vous travaillez? Ah, pour personne. Si tu penses qu'on travaille pour les petits gars qui sont à la colonie là-bas, bien sûr que non. On leur a demandé qui ils étaient aussi et le nombre qu'ils étaient. Car un jour, ils devront être purifiés. Et vous aussi, mes fils. Vous aussi. Alors... Et pour purifier, vous voulez tous nous buter ou... Quelque chose de plus heureux. Juste vous faire passer au stade ultime de l'espèce humaine, mon fils. Oui, si la phase ultime de l'espèce humaine, c'est être infecté, j'ai pas envie. Je suis battu toute ma vie, en tout cas, les dernières... Ta gueule, mécréant! Venir avec le colonies, ça rendait bien. Tu vas devoir passer à cette évolution tôt ou tard, mais pour toi, c'est pas pour maintenant. Dis-nous d'abord pour qui tu travailles. Ah, oh, mon cœur, j'ai mal. Doucement, Père David. Père écoute. Antoine, il faut qu'il nous dise, je veux savoir. Non, je vais pas vous dire. Oh, laisse-le. Putain. Je dirai pas, vous pouvez insister, je vous dirai rien. Je veux savoir. On fait la cérémonie. Je veux savoir. Écoute. Tu vas nous rejoindre. Oh, mon fils. Retire ton haut et tes gants. Pourquoi? Fais, mécréant! J'espère qu'il n'a pas d'arme, le saligo. T'as vérifié? Non, Antoine, il n'a pas intérêt. On commence à se faire vieux, bordel. On réfléchit plus quand on fait des... On n'a pas d'arme dans la maison de Dieu. Vous le voyez bien dans mon dos. Ouais, et c'est quoi cette arme entre vos jambes? C'est drôlement gros, mon petit gars! Il est monté! Il est parti en courant! Oh, bordel! Oh, viens ici, mon fils! Viens ici! Oh, bordel! Bordel! Mon fils! Ah, putain! Il a sauté! Si tu bouges! À terre! Père David! Oh putain, en forêt! On est armés aussi! Tu nous as pris pour qui, mon petit gars? Oh putain, ça va être chaud cette histoire là! Il a fait le con, le petit gars là! Ouais! Bouge pas, on t'a dit! Bouge pas, salopard! Aïe! Oh! Oh! Ah! Bon! J'ai peur! Antoine, j'arrive! Hop! Oh! Aïe, ma jambe! Bordel de merde!
Vous allez... Oh putain, ça glisse, Père Antoine, attention! J'ai peur. Ok. Écoute, tu avances maintenant. Avance, saligo, mécréant. Dépêche-toi. Putain, j'ai des feuilles dans la bouche. Okay. Dépêche-toi. Oh. Oh. Putain. Aïe, aïe, aïe. Je boite, Père Antoine. Oh. J'ai mal. Oh. Oh. Mais il faut les faire. Tu vas dans la maison de Dieu, mon fils. David. Oui. Laisse-le. Ce jeune homme nous rejoint. On va lui faire la transformation. Et comment tu veux faire, Père Antoine? Je ne me rappelle plus. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas fait. Allez. Non, non. Allez, mes créants, fais! Couche-toi. Je vous dirai tout. Ne tue pas. Alors dis tout. Ok. Bon, je fais partie d'un groupe. Bordel. Qui se nomme comment? Les Lucioles. Les Lucioles? C'est quoi encore cette connerie, bordel? Et c'est quoi votre but? C'est quoi votre but, bordel? On est des mercenaires, notre but c'est de survivre, rien d'autre. De survivre? On est pas des bandits, on n'est pas. Et pour ça, vous êtes prêt à tuer des gens? Putain. Des gens que vous ne connaissez même pas l'identité? Foutu mécréant! Fais du froid. Non. C'est normal. Ils avaient manipulé un de mes frères d'armes. J'ai suivi tous les ordres. Je ne vous faites pas de mal. Pleure. C'est pas grave, mon fils, t'inquiète pas, on y est tous passés. T'inquiète pas, je vais préparer. Tout va bien se passer, mon fils. Fiez-vous. On est juste des pères. Envoyés. En fait, mon fils, on est juste des simples fous. Est-ce que tu crois vraiment qu'on a des gueules de prêtres? Oh, putain de merde. Et en fait, j'ai un nouveau truc à te dire aussi. On adore la chair humaine. Tu sens bon? Non. Tu sens très bon? Non, je sens plus bon. Oh, tu sens bon. Oh. Non. Non. Oh, Père Antoine, t'es pas le seul qui sent bon. Là, dans la colonie, il y a beaucoup de gens qui sentent bon aussi. Je peux vous aider. Oh, vous sentez bon. Oh, tu sens bon, oui. Doucement. Je connais des gens. Pardonne-moi, Père Antoine. Je connais des gens, je pourrais vous donner ce que vous voudrez. Oui. Ne tuez pas. On a faim, très faim. Tout ce que vous voudrez. Oh, j'en peux plus de me faire passer pour un putain de curé. Je suis pas un curé, moi. J'ai juste faim, très faim. Écoutez, vous n'êtes pas quelqu'un de mal, je le sais. Mais je vous en supplie, ne tuez pas. Oh. Couche-toi. Couche-toi, il t'a dit, Antoine. Je vous en supplie. Pas de mal. T'inquiète pas. Ne mangez pas. Oh. Tes orteils me donnent envie. Miam, 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 miam. Oh. Je connais des gens, je peux. Oui, moi aussi je connais des gens. Ils sont dans mon ventre maintenant. Oh. Je pourrais attends, vous aider. Je vais te lécher les pieds. Je peux vous être utile. Ah, pardon, Père Antoine, je vais lui lécher les pieds. Je peux vous être utile. Écarte-toi, Père Antoine. Je vais te lécher les pieds. Ne t'inquiète pas. Bordel. Oh, ça me donne faim, Père Antoine. Bon. Allez, il faut que tu les purifies. T'inquiète pas, jeune homme. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. T'inquiète pas. On est juste des vieux, vois-tu? Comment te dire? On a mangé tous les gens qui étaient cachés dans cette église à une époque. C'est pour ça qu'on t'a dit de pas aller regarder. Il y avait beaucoup d'enfants, d'animaux. Okay. Il fallait bien qu'on se nourrisse, vois-tu? Excuse-moi. Et on nous a pris pour les prêtres. Et du coup, on a continué dans ce délire, vois-tu? J'ai pas de nourriture, si c'est ce que vous voulez. J'ai
apporté énormément de nourriture. Tu ressembles à un petit nugget. Ça fait fort longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, on va commencer le rituel. À toi, elle fait le rituel que je pourrais pas m'empêcher de le grignoter, bordel. Miam miam, il sent bon, Antoine, il sent bon. Oui. Satan. Oui, Satan. Donnez-nous ce disciple. Que son devoir est de se servir. De te servir et de nous servir aussi. De nous amener des âmes faibles et seules et perdues. Satan, donne-nous ta force. Exauce notre vœu de purifier cette âme perdue. Ah, oui, oui, du sang, oui, du sang. Ah, que le sang coule pour toi, Satan. Ah, du sang bon, viande, viande, oui. Je vais le boire un peu. Oh. Ah oui. Que ton sang j'ouvre mes veines et les tiens. Goûte son sang. Que ton sang, Satan, pénètre en lui. Allez, Satan, ton sang fait plus qu'un avec celui d'Antoine. Pardonne-moi. J'ai mal. Oui, t'as mal. Oui, c'est normal que tu aies mal. Je trouve plus rien. Trouve le pardon. Allez, t'inquiète pas. Maintenant. Lève-toi, mets-toi à genoux. Tu vois ça? C'est de la marmelade. De la marmelade d'enfant. Oui. Goûte donc ça. Putain, non. Goûte non. Donc ça, mon petit. Non. Voilà. Non. Non. C'est moi qui l'ai faite. C'est fait maison. C'est du 8 mois. Vois-tu, c'était une petite femme qui se trimballait avec son enfant. Aidez-moi, aidez-moi, qu'a crié. Mon père, qu'a disait. Ah. Quand on a fracassé son petit, avec ça, vois-tu, j'ai serré sa tête tellement fort entre les deux écrous. Cette odeur, ce petit bruit, on aurait dit un petit pétard. J'ai adoré. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut vous rejoigner. L'homme de l'humanité, il est temps que ça change. Tu comprends? Ces zombies, c'est pas des zombies, c'est l'évolution ultime de l'humain. Vois-tu? Et il faut que tu les rejoignes. Tôt ou tard, tu les rejoindras. Nous les rejoindrons tous, tôt ou tard. Mais ce n'est pas ton heure et c'est pas notre heure. Ton heure sera de nous emmener des âmes. Tu comprends? Tu fais qu'un et notre sang maintenant. On a mélangé ton sang à notre sang. On a fait la prière de Satan. Oui, Satan. Bordel. Aide-le à trouver la voie. Antoine, à toi de dire des choses. Pour cet homme perdu. Donc, le rituel est presque fini, Père David. Oui. Tu vas répéter après moi, nouveau-né, cher disciple. Oh, puissant Satan! Je peux pas. Oh, puissant Satan! Dis au puissant Satan! Donne-moi. Oh, puissant Satan! Donne-moi l'éternel! Donnez-moi l'éternel! Par qui tout devient ténèbre? Par qui tout devient ténèbre? Que ton pouvoir soit notre! Que ton pouvoir soit notre! Vois. Que tes désirs deviennent les nôtres. Que tes désirs deviennent les nôtres.
Gloire à toi, Satan. Gloire à toi, Satan. Gloire à nous. Gloire à nous. Maintenant, tu vas boire ce sang de zombie qu'on a cultivé ce matin. Bois, mon enfant. Bois. C'est la rosée du matin. C'est voilà. David. Oui, Antoine. D'ici quelques heures, il fera partie de Satan. Oui. Et rejoindra parmi nous. Tu peux te détacher, mon enfant. C'est... Tu trouveras le pardon. Ces paroles vont éclairer ton chemin. Tu comprends? Viens donc à l'abri. Eh oui, mon petit gars, nous nous faisons passer pour des pères, mais nous sommes en aucun cas des pères. Vois-tu? Nous sommes les envoyés du vrai Dieu, du seul qui existe, Belzébuth. Et pour les intimes, Belzébuth. Tu t'en remettras. T'as goûté la marmelade d'un bébé de 8 mois. T'as goûté le sang de zombie. Tu comprendras notre vision, tôt ou tard. Comment allez-vous ? Sache, mon fils, disciple de Satan, dans quelques heures, t'auras faim. Bois du sang. Amen de la viande fraîche. La lumière te guidera vers nous quand ta transformation sera finie. Oh mon fils, voilà. Disciple du Satan, lève-toi. Amène-nous une personne faible, une personne qui pourra venir, qu'on pourra déguster, tous les trois. Ok. Amène-nous une bonne viande fraîche. Et partageons long pour notre victoire. Pour Satan. Pour Satan. Oui, pour Satan. Pardonne-moi, Dieu. Dieu n'existe pas. Non plus. C'est Satan qui nous a envoyé tout ça. Parce que Satan est le seul et unique Dieu qui existe. Le Dieu éternel. Maintenant, va, cher disciple. Pars. Et quand la prochaine lune viendra, rendez-vous ici, cher disciple de Satan. Va. Et n'aie pas peur de ta transformation, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrivera? Oh, tu seras comme nous. Non, pas devenir vieux et sénile. Non, on n'est pas sénile. À la prochaine couchée du soleil, tu seras transformé.